Bon et eh bien bonjour tout le monde, c'est moi, mère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vous fais cette petite vidéo un peu urgent et important. Pour Vous parler concernant YouTube, voilà les amis. En tout cas, bah pourquoi j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que, en fait, euh, voilà, vous savez, les amis, depuis des années, vous connaissez sur internet euh, un outil qui permet de bloquer les publicités. Ça s'appelle les adblocks. Vous savez que les adblocks ça permet de bloquer les publicités que ce soit sur YouTube ou d'autres sites. Et bah, malheureusement, les amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer c'est que YouTube va maintenant bloquer les adblocks. Voilà en fait les amis ça a été annoncé depuis euh, quelques semaines déjà, depuis quelques mois. Et là, euh, YouTube, euh, ça fait encore parler de ça. Et donc, j'ai décidé de faire la vidéo, cette vidéo, pour vous parler euh, de la fin des adblocks sur YouTube. Voilà, donc du coup, les amis, voilà, vous voyez sur Google, je suis sur Google, vous voyez euh, les actualités euh, en ce moment. On est en train de parler concernant YouTube qui sont en train de bloquer les adblocks, voilà, donc vous voyez, vous avez les articles qui sont juste là, ça part de la fin de adblocks sur YouTube, etc., voilà, vous avez ici les extensions de, de YouTube, de Google, qui permettent de, justement de bloquer les publicités sur, euh, sur Internet, et là, malheureusement, ben bah voilà, ils ont annoncé la fin des adblocks sur YouTube, et ça va créer quand même des conséquences pour ceux qui utilisent les adblocks pour enlever les publicités parce que c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de publicités. Franchement, c'est de, il y a de plus en plus de publicités sur YouTube, ce qui fait que ça peut faire chier les gens. Ça peut, c'est vraiment comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer les actualités. Voilà. Vous avez vu les actualités qui parlent de, bah, qui parlent justement de, de la fin des adblocks sur YouTube. Voilà, donc c'est pour vous montrer de ça, qui explique que voilà, les ad blocks sur YouTube sera terminé. Bon, en tout cas, voilà, donc euh, je vous montrerai des articles dans la vidéo, je vous expliquerai ce qui se passe, euh, pour vous montrer ce qui se passe. Voilà, donc voilà les amis, donc je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez voir les articles, voilà. Donc là c'est marqué YouTube bloque les vidéos 30 secondes pour vous obliger à enlever votre ad block. Bah voilà, donc ça veut dire que maintenant YouTube va mettre des avertissements, des messages, des pop-ups pour dire qu'il faut retirer votre ad block parce que ça pourrait euh, faire du mal à YouTube apparemment, entre guillemets. Voilà, donc je vous montrerai les articles, voilà. YouTube a trouvé une nouvelle façon de faire enrager les utilisateurs, voilà. Vous savez que Google n'aime pas les bloqueurs de publicité et cherche sans cesse des moyens pour euh, les supprimer tout simplement. Donc voilà, donc là ce sont les résumés. Donc premièrement, les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur YouTube. Et là il y a aussi, il semblerait que vous utilisez un bloqueur de publicité. La lecture de la vidéo sera bloquée, sauf si vous autorisez YouTube pour désactiver votre ad bloqueur. Les publicités permettent à Google d'être utilisé gratuitement par des milliards de personnes. Et vous pouvez opter pour un service sans pub euh, en souscrivant à YouTube Premium. Voilà, donc vous avez plusieurs façons que YouTube peut bloquer les ad -block. Voilà, après, euh, voilà, et aussi qu'apparemment YouTube va bloquer pendant 30 secondes quand vous lisez n'importe quelle vidéo, je trouve ça, je trouve ça n'importe quoi, après voilà, euh, voilà, et aussi la première consiste à poster de manière agressive son offre premium à chaque connexion, et aussi que YouTube a lancé le 1080p premium apparemment, donc il faut, il faut se souscrire à YouTube premium pour avoir un 1080p de meilleur débit, euh, meilleure qualité apparemment, voilà, également que ce pop-up d'avertissement sera 30 ou 60 secondes, soit une durée suffisamment conséquente. Ça veut dire que tu ne peux pas regarder des vidéos pendant 30 secondes, euh, parce que YouTube vous demandera de supprimer les adblocks. Voilà, donc du coup, les amis, en tout cas, bah, je trouve ça dégueulasse parce que les adblocks, ça servait à bloquer les publicités. Et là, euh, YouTube veut vraiment nous obliger à souffrir en regardant des publicités. Des fois, il y a des publicités qui sont très longues, des publicités qu'on ne peut pas skipper. Je trouve ça vraiment. Déjà qu'il y a trop de publicité sur YouTube, il y a vraiment de plus en plus de pubs. C'est vraiment. Euh... Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, ça, c'est malheureusement, c'est comme ça. Voilà, donc du coup, les amis, il y a d'autres articles que je vais vous montrer. Voilà. Utiliser Adblock sur YouTube devient presque impossible. Voilà. Voilà, donc euh, YouTube vous a. Bah, justement, on parle de ça. YouTube a imposé euh, des messages et des trucs pour euh, vous obliger à supprimer euh, les Adblock voilà donc là euh, voilà ils expliquent tout simplement comment faire pour euh, enlever les ad sur youtube franchement euh... après je ne sais pas si youtube peut vraiment bannir les ad parce que peut-être qu'il y aura d'autres solutions pour contourner ça ce nouveau truc mais à mon avis je crois que ça va être euh, impossible de, de faire revenir les ad blocks, à mon avis sur youtube ça va être euh, comme ça voilà, donc, euh, que certains que c'est bien gaissé, impossible de fermer le pop-up. Bah, justement, on peut pas fermer le pop-up. Apparemment, il faut attendre 30 secondes au moins. C'est vraiment, euh, je trouve ça un peu aberrant. Malheureusement, c'est YouTube qui a voulu faire ça pour euh, empêcher les ad et ça, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, alors, YouTube lance un compte à rebours insupportable contre les adblocks. Voilà, donc YouTube en a marre des bloqueurs de publicité comme Adblock, la plateforme euh, d'hébergement de vidéos, a décidé de mettre en place des mesures. Bah, justement, et aussi un compte à rebours, bah, justement, 30 secondes quand tu veux regarder une vidéo, c'est ce que je vous ai dit. C'est franchement, euh, voilà. Depuis quelques mois, YouTube s'attaque aux bloqueurs de pub. donc ça fait des mois qu'ils essayent de enlever les adblocks. Après, euh, si vous voulez lire les articles, je mettrai les liens dans la description. Voilà, donc YouTube ajoute un compte à rebours à son message anti Adblock, voilà. Donc là les amis, vous voyez sur cette image, c'est marqué Adblock n'est pas autorisé sur YouTube, voilà. Voilà, donc vous avez un message comme ça et là vous êtes obligé de cliquer sur le bouton là, ou essayer YouTube Premium donc euh, pour se souscrire à YouTube Premium. Google veut faire plus d'argent avec YouTube Premium et aussi euh, et aussi YouTube ont annoncé euh, de augmenter les prix des de l'abonnement tout simplement c'est vraiment euh... après je sais qu'il y a eu l'inflation mais bon au début de l'année youtube a lancé une qualité vidéo 1080p premium donc c'est depuis quelques mois ça veut dire que maintenant de base vous avez des vidéos 1080p etc et là youtube ont annoncé le 1080p premium qui permet euh, en fait d'avoir une en fait, sur YouTube, vous avez un, un débit de vidéo limité. Et là, avec YouTube euh, 1080p Premium, vous avez un meilleur débit et une meilleure qualité apparemment. Voilà. Donc YouTube décidera probablement de déployer ce dispositif qui reste pour l'instant cartonné aux pays anglophones. Voilà. Voilà, donc, euh, malheureusement, les adblocks seront bannis de YouTube. On sera obligé de voir les pubs sur YouTube quand vous regardez une vidéo. C'est franchement. C'est pour ça aussi que j'ai ajouté le adblock, moi aussi. Hein. Personnellement, moi aussi, j'ai un adblock parce que. avoir tout le temps des publicités sur YouTube, c'est casse-couille. Mais bon, ça, malheureusement. C'est vraiment, je trouve ça. Je trouve ça dommage que YouTube fait ça. Mais malheureusement, d'un côté, je comprends que YouTube font ça parce que ça peut leur. Leur faire mal, euh, comment dire, leur faire mal économiquement parce que des gens utilisent des adblogs, ça ferait pas d'argent pour YouTube avec les publicités mais après YouTube, comme je l'ai dit, YouTube, ils abusent de mettre tout le temps des pubs quand vous regardez des vidéos YouTube et ça, c'est vraiment chiant. Voilà, les amis, donc malheureusement, utiliser Adblock sur YouTube devient un enfer malheureusement. Voilà, donc euh, voilà, YouTube franchit une nouvelle étape pour décourager l'usage des adblockers, voilà, avec comme on l'a dit, un nouveau pop-up euh, pour euh, justement vous avertir que vous utilisez un adblock, voilà. Serait Ce reste le début de la fin des extensions comme Adblock, bah malheureusement, ça va arriver. C'est ça qui je trouve ça dommage. YouTube va-t-il réussir à tuer les adblockers sur son site ça, malheureusement, YouTube essaye de faire ça. Voilà, donc là, on a encore cette image. Et là, vous voyez sur la flèche, c'est la, euh, la durée du, du message avant qu'on puisse le enlever. Ça, c'est vraiment... Euh, voilà. Voilà, après. Voilà, il est encore possible de contourner l'affichage en se connectant depuis d'autres pays avec un VPN. Mais je, crois, je pense pas que ça va vraiment fonctionner. Mais bon, après, voilà. Voilà, donc là, c'est YouTube qui ont annoncé euh, de vouloir supprimer les ad et ça. Ça va créer des conséquences parce que maintenant, tu auras plus de publicité. Euh, parce que déjà, il y a tout le temps des pubs sur YouTube et ça, c'est chiant. Donc voilà, en résumé, YouTube va mettre fin aux bloqueurs de publicité. Voici les changements. Voilà, vous avez les changements qui ont été annoncés. Voilà, donc les bloqueurs de pubs et YouTube, etc. Avec les abonnements de YouTube, comme par exemple euh, 12 euros par mois, etc. C'est voilà, c'est YouTube qui a voulu euh, enlever les, les ad tout simplement. Comment YouTube va mettre fin à ad Bah justement, euh, afin d'augmenter ses revenus, YouTube a mis en place un système affichant à une fenêtre pop-up qui bloque votre vidéo pendant 30 ou 60 secondes. Donc je vous ai montré avec euh, bah, justement la petite, euh, le petit icône euh, de, de la durée. Voilà, euh, en tout cas, Google indique aussi que cette fenêtre pop-up ne disparaîtrait pas tant que l'utilisateur n'a pas préalablement supprimé son bloqueur ou tout simplement mis sur la liste blanche de YouTube. Donc ça veut dire qu'on peut toujours utiliser des ad blocks, mais il faut mettre euh, une exception à YouTube pour laisser les publicités. Enfin, je sais pas, c'est un peu vague, mais bon. Voilà, après, voilà. Donc, il faudra se taper des pubs tous les 30 secondes. Je l'utilise sans bloqueur, à mon taf. C'est souvent la fréquence auquel on n'est pas racité. Autant dire que ce serait littéralement réhabitoire pour une utilisation courante. Bah oui, il faudra se taper des pubs. Hein, mais bon, ça, euh, franchement, euh, voilà, c'est vraiment. Je trouve ça un peu honteux. C'était mieux avec les ad-blocks, Mais bon, après, c'est la décision de YouTube de faire ça. Et ça, c'est. Voilà. Donc voilà, donc une pop-up de 30 secondes pour vous pousser à retirer votre bloqueur de pub, voilà, donc faudra attendre 30-60 secondes, euh, entre guillemets. Donc euh, voilà, donc une pop-up imposée pendant une demi-minute, donc euh, pendant 30 secondes à peu près, voilà, donc euh, cette fenêtre ne peut pas être clôturée avant une période de 30 à 60 secondes grâce à un petit minuteur visible en haut à droite, donc c'est ce que je vous ai montré à l'image. Voilà donc du coup voilà donc pour résumer bah YouTube veut supprimer les ad-blocks c'est pour ça aussi euh, voilà voilà alors c'est marqué nous ne nous recommandons pas l'utilisation d'un ad-blocker car il faut bien que les créateurs de contenu puissent générer des pubs ça c'est un peu vrai mais bon après euh, avoir tout le temps des publicités quand tu vas regarder des vidéos YouTube personnellement je trouve ça vraiment chiant mais après euh, c'est vrai que ça peut provoquer des problèmes pour les créateurs c'est vrai que c'est vrai que les créateurs, les youtubeurs, ils vivent avec de la pub, donc forcément, il faut bien partager des revenus publicitaires pour les youtubeurs pour avoir de l'argent. Et comme sur les sites internet en général dans la vie. Voilà. Du coup, bah, voilà, c'est tout ce que je vous avais à vous dire à propos des adblockers. Franchement, euh, bah, franchement, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux donner mon avis là-dessus Bah, je trouve ça dégueulasse parce que maintenant, il y aura tout le temps des publicités sur YouTube euh, qui vont nous pourrir la vie. Parce que tout le temps, avoir des publicités quasiment à chaque vidéo YouTube, ça devient aberrant. Parce que tu dois toujours euh, tu dois toujours euh, regarder les pubs. Et maintenant, c'est de plus en plus rare de pouvoir skipper les pubs. YouTube, il met de plus en plus de pubs qui n'est pas skip-up. Et ça, euh, je trouve ça décourageant. Et ça pourrait pousser des gens à quitter YouTube en général. Parce que là, YouTube, pour bloquer les halblocks, c'est un peu... C'est de l'égoïsme un peu. Mais après, euh, d'un côté, c'est vrai que YouTube, ça peut les... Les faire mal économiquement parce qu'on utilise des adblocks Donc je comprends un peu que Youtube va faire ses décisions Mais quand même euh, ça va être chiant parce qu'après maintenant Bah comme je l'ai dit on va avoir tout le temps des publicités sur Youtube Ça devient chiant et après euh, voilà ça peut être un à détail comme ça Et donc si maintenant si je vais sur Youtube là maintenant Donc voilà si je vais sur Youtube maintenant Si je vais sur Youtube ça veut dire que maintenant il euh, y aura des adblocks ça veut dire que maintenant, si je vais sur YouTube, que je regarde une vidéo, par exemple, euh, une vidéo de CB Games, ça veut dire que maintenant, il y aura un, un message qui va apparaître, je crois. Après, je suis pas sûr. On va vous montrer. Voilà, bon, ah ouais, bon, je crois qu'il y a, pas, je crois qu'il y a pas de message. À mon avis, pour l'instant, il y a pas encore le message. C'est en train de se déployer, je sais pas. Voilà, donc ça veut dire que si vous lisez n'importe quelle vidéo, si vous regardez n'importe quelle vidéo, bah, vous aurez un genre de message qui va apparaître. Et ça personnellement euh, c'est vraiment dommage que YouTube fait ça mais d'un côté ils veulent faire ça pour euh, ils veulent faire ça pour euh, pour rester gratuitement. J'ai vu aussi qu'il y a une partie d'un message qui m'a un peu euh, confus c'est il y a une partie du message du, euh, du message que YouTube va mettre, c'est que les c'est que pour rester que YouTube reste gratuit. oui c'est pour que YouTube reste gratuit mais pour bloquer les ad blocks après euh, t'as tout le temps des publicités ça pourrait euh, ça pourrait être chiant pour les, les utilisateurs comme ça voilà, donc du coup, les amis, voilà, c'est YouTube qui a annoncé la fin des adblocks et aussi, euh, bah, comme je vous ai expliqué à propos des messages, bah, voilà, vous avez, vous avez des messages qui sont juste là, des messages qui disent que les adblockers sont pas autorisés sur YouTube, qu'il faut désactiver les adblocks, etc. Voilà, donc vous voyez, c'est marqué aussi que la lecture des vidéos sont bloquées après trois vidéos, apparemment, d'après ce que vous voyez l'image à l'écran, trois vidéos, quoi. Après, je sais pas comment ça va être implanté et aussi qu'apparemment, c'est marqué sur l'image que les adblockers ça viole le règlement de YouTube. En quelle partie ça viole Bon, après, euh, c'est un peu très vague tout ça, mais il faudra que YouTube euh, en explique un peu mieux de cette information. Bon, allez, donc du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, donc du coup, bah, voilà, je vous ai expliqué dans cette vidéo à propos de YouTube qui vont supprimer les adblocks. En tout cas, personnellement, je trouve ça dégueulasse parce que ça va. Euh, ça va faire en sorte que maintenant on aura tout le temps des pubs sur YouTube. On est obligé de supprimer le adblock. YouTube vont vraiment vous forcer à supprimer les adblocks. C'est vraiment, c'est dégueulasse. Au moins ils auraient pu, euh, on aurait pu avoir une autre solution pour enlever les publicités. Bon, à part YouTube Premium pour enlever les publicités, mais personnellement, personnellement, je ne paye pas de premium. J'ai pas de YouTube Premium parce que ça m'intéresse pas. Déjà que c'est cher maintenant. Je préfère avoir YouTube gratuitement parce que j'ai la flemme. Mais après, euh, voilà, il y aura, t'auras juste des ad qui vont juste vous faire chier. T'auras juste des ad des publicités. Et ça, franchement, YouTube qui vont supprimer les ad je trouve ça dommage parce que ça va. T'auras tout le temps des publicités. Déjà que maintenant, sur YouTube, par rapport à avant, t'as de plus en plus de publicités. C'est franchement. Euh... Je trouve ça chiant. J'espère vraiment que YouTube vont changer d'avis. J'espère que YouTube vont mettre moins de publicité parce que à quasiment chaque vidéo. Et le pire de tout ça, c'est que une fois, il y a une fois, j'ai regardé une vidéo très courte de quelques secondes. J'ai une publicité là-dessus. C'est franchement... Euh... C'est, ça devient du n'importe quoi sur ce YouTube. C'est vraiment un bordel. Ça devient vraiment du n'importe quoi. Voilà donc du coup les amis, c'était une petite vidéo pour parler de YouTube adblock qui va supprimer les adblock donc YouTube qui supprime les adblock. En tout cas, que pensez-vous de YouTube qui vont supprimer les adblock En tout cas, euh, que pensez-vous Bah, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, euh, ce que vous en pensez parce que là, je trouve ça aberrant parce que là maintenant il y aura tout le temps des publicités sur YouTube déjà qu'il y en a trop. Et là, euh, j'ai vraiment l'impression que YouTube sont trop égoïstes avec les publicités, mais bon, ça c'est comme Mr Krabs hein, c'est comme Monsieur Krabs de Bob l'éponge hein, de SpongeBob. Hein. I love money hein. C'est un peu comme Monsieur Krabs de Bob l'éponge qui est trop égoïste à l'argent. On dirait YouTube comme ça. Ça fait comme ça quoi. Voilà. Donc, du coup, les amis, c'était une petite vidéo pour vous parler de YouTube qui va supprimer les adblocks. En tout cas, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je mettrai les liens des articles que je vous ai montrés dans la description si vous voulez lire, voir par vous-même les articles. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous informer, vous avertir de ça. Je sais que vous avez déjà été au courant. Peut-être que vous avez été déjà au courant avant que je fasse cette vidéo, mais j'ai voulu quand même faire cette vidéo pour vous avertir. Voilà. Donc, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ce que vous en pensez de ça, personnellement, euh, ça va créer des conséquences. Et ça, c'est vraiment dommage que YouTube font ça. Mais après, euh, d'un côté, je comprends que YouTube font ça pour, parce que ça pourrait, euh, bah, avoir des conséquences sur les revenus publicitaires. Mais quand même, euh, avoir tout le temps des publicités sur YouTube, euh, ça a provoqué plus de publicités sur YouTube. Euh, avoir tout le temps des publicités sur YouTube, ça va être chiant. Voilà donc du coup les amis c'est la fin de cette vidéo merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour des nouvelles vidéos voilà les amis c'était Homer merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos merci les amis à bientôt pour des nouvelles vidéos à bientôt ciao